Bonsoir à tous, 18h pile et comme chaque jeudi soir sur 01net TV, c'est votre rendez-vous dédié à l'actualité high-tech. Le débrief de tout ce qui s'est passé cette semaine dans la high-tech, c'est 01 live hebdo. Bonsoir Jérôme. Bonsoir François, bonsoir à tous. Et cette semaine, et bien écoutez, c'est pas compliqué, il s'est passé une seule chose. Une seule. C'était à Barcelone, nous y étions encore hier. Euh, C'était le Mobile World Congress 2016. Et oui, belle édition encore une fois, vous savez que... Tous les acteurs de la téléphonie mobile se retrouvent pendant plusieurs jours. Euh, alors, il y a les opérateurs, il y a les constructeurs, il y a aussi tous ceux qui fabriquent des applications, du soft, etc., qui se retrouvent et tous ces gens-là discutent, font des deals. Et puis, ça permet aussi aux constructeurs de dévoiler de belles nouveautés. On, a eu, on en a eu pour notre argent. Ah, cette année, on, a hein. eu, on a eu pas mal de choses. Alors justement, c'est ça que nous allons voir ce soir et que nous allons euh, dépioter tous ensemble. Les nouveaux smartphones, les nouvelles tendances. Ouais. Euh, vous pouvez poser vos questions d'ores et déjà via Twitter, hashtag 01Live, à propos de ce Mobile World Congress et on essaiera d'y répondre avec nos spécialistes. Voilà, on va parler aussi d'objets connectés de 5G, hein, puisque c'est vrai que même si la 5G, 5G euh, n'existe pas véritablement encore, on en a beaucoup parlé oui. durant ce Mobile World Congress. Et Jérôme, bien sûr, notre question orange de cette semaine, 0Net Orange. Allez, je vous la propose tout de suite. Ben, c'est tout simple, que retenez-vous du Mobile World Congress 2016 Donnez-nous votre avis, vous allez sur www.01nettv.com et vous votez, on fera le point tout à l'heure. Voilà. Euh, alors nous, on a une petite idée. Hein. C'est vrai qu'il y a eu quand même de beaux téléphones présentés. <laughs> et on va en parler d'ailleurs tout de suite avec euh, la rédaction de zéronet.com. Tout à l'heure, David Noguera nous rejoindra parce que David a des choses à nous dire aussi en matière de voitures connectées. Parce que c'est étonnant, mais il y avait quand même des constructeurs comme Ford ou Seat qui étaient présents euh, lors de ce Mobile World Congress. Mais dans l'immédiat, on accueille Stéphanie Molinier et Raphaël Grabli. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et oui, parce que quand même, quand même, Barcelone, c'est le salon. Du smartphone, alors on va parler de smartphone. Et forcément, avec quand même un duel au sommet, peut-être pour commencer Jérôme. Hein D'un côté, nous avons le Galaxy S7. De l'autre côté, nous avons le LG G5. Oh deux Coréens qui se détestent et qui s'affrontent à Barcelone en plein ring pendant un salon et qui ont annoncé donc leurs deux grosses nouveautés. Ce seront sans doute les, on va dire... Allez, on, ils font partie en tout cas des gros smartphones de cette année 2016. Et la question qu'on se pose bien évidemment, c'est lequel est le meilleur Aïe, aïe, aïe Bon alors, évidemment, on ne va pas véritablement avoir un avis tranché, puisqu'on n'a pas eu ces téléphones en main. On les a eu en, on a quelques, en main. Quelques, quelques on, on les a eu en main. Quelques secondes, on ne les a pas ouais. vraiment testés, hein, Stéphanie. On n'a pas fait les tests du labo. Et Raphaël. Voilà. Mais c'est quand même le on est d'accord, c'est le match du, du, du Mobile oui. World Congress oui. C'est les deux gamme, euh, les deux de gamme Android euh, de cette année, certainement. Comment on peut les départager, ces deux téléphones euh, c'est compliqué en fait. Euh, le, les S7 déjà ont un avantage, ils sont deux. Oui, c'est vrai. <laughs> Donc, le S7 et, pour le, moi. Vrai. et le Edge. Oui, Il voilà. n'y euh, a pas de révolution au niveau du, du design des euh, S7. On retrouve finalement le design un petit peu des S6, ce qui n'est pas plus mal parce que ça avait plutôt bien fonctionné. Euh, mais euh, bon, voilà, Samsung a décidé de, dé, de décliner en deux tailles d'écran. Mmh. Donc, ça permet de contenter tous les publics. Donc, on a 5,1 pouces, 5,7 pouces. Euh, et après, je pense que vraiment, Samsung a su répondre aux attentes des utilisateurs et surtout répondre à ses détracteurs. Parce que finalement, on reprochait s 6 de ne pas avoir de micro SD. Maintenant, fait. il y a un lecteur de micro SD est qui est très sur bien intégré 7. en plus. Hein. Vraiment oui, euh... pour conserver la finesse des appareils. Ouais. En fait, ils ont logé euh, sur le même tiroir la carte SIM et la micro SD. Donc forcément, voilà, gain de place. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre encore On a la batterie. Oui. Alors, a priori, vraiment, il devrait y avoir une optimisation à ce niveau-là. Et en plus, les batteries sont vraiment plus grosses. Mais elles ne sont pas interchangeables. Contrairement. Elles ne sont pas interchangeables. <laughs> Contrairement. Je pas ça venir. <laughs> avec On va venir. Et euh, puis non, une autre chose non. aussi, c'est, euh, je termine, c'est euh, l'étanchéité. Le oui. S5 était étanche, le S6 non, donc euh, il y avait forcément c est, c est des utilisateurs que... pas contents, donc étanche. Et puis euh, je crois qu'il y a aussi euh, une dernière petite chose, là c'est un, un peu un point de détail, le, le capteur, méga, euh, le capteur euh, photo, non, photo. Euh, ressort beaucoup moins de oui, Une petite, euh, dos, une petite donc, euh, faute de goût qui a été réparée. Voilà, qui a été réparée. Donc ça c'était pour moi et je laisse maintenant la parole ouais. à Raphaël. Bon, enfin, non, je voulais juste te dire, on a un peu l'impression que c'est un S6 corrigé, quoi. Exactement, S6 oui, amélioré. Mon... Exactement. Ah, on ne sait pas. Vas-y, frappe-moi, j'adore. Non, mais on a l'impression que le S6 finalement, c'est un peu, c'était le brouillon du S7. Hein. Tous les défauts qu'il y avait dans le S6 ont été corrigés sur le S7. Mm -hmm. euh, c'est S'il avait été un Apple, il se serait peut-être appelé S6s, mais c'est un peu cet équivalent-là. Alors chez LG, c'est vrai qu'il y a eu un effet reboot, comme on dit avec les séries, les films, ils ont tout redémarré à zéro. Donc ils ont fait un design qui est complètement nouveau, avec du métal, etc. Et puis surtout, c'est un smartphone qui est modulaire. Donc on peut justement changer la batterie. Donc ça, c'est quand même assez sympa. On part voilà, en voyage, etc. On part avec une autre batterie. Et ils exploitent ça aussi pour mettre d'autres modules et rajouter quelques fonctionnalités. Avec un module photo qui permet en fait de s'en servir comme un appareil photo classique. On a un petit bouton, etc. C'est assez sympa. Un module audio qui permet d'avoir une meilleure qualité audio qui a été fait avec Bang Olufsen. Voilà, qui rajoute un DAC en fait, hein, qui voilà. un ampli euh, audio haute résolution. Alors ça, on n'a pas pu le tester en fait, sur le salon. C'était avec un super casse Bang Olufsen, donc évidemment le son était top, mais on n'avait pas l'occasion de voir sans le DAC ce que ça faisait. Donc, euh, c'est vraiment cet aspect modulaire qui rappelle un peu le projet ARA de Google, alors dans euh, toute proportion gardée. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'en tout cas, LG, c'est difficile de juger, enfin euh, de comparer les deux. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont vraiment fait de la nouveauté. Ils ont un peu rafraîchi le paysage. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Au niveau des specs purs, il y en a un qui est plus puissant que l'autre ou pas Alors là, euh, c'est difficile que de le, de le, le, le savoir. Parce que LG a le dernier Snapdragon ouais. 800 Et le S7 le le aussi sur certaines ouais. zones géographiques ou voilà. alors le dernier... Euh... Mais en fait, ce sont deux processeurs qui ne sont pas encore euh, passés euh, par le labo. Je pense que de toute façon, ils sont tous les deux ultra ouais. puissants. Oui, et je pense que Qualcomm pas, euh, et et ne va pas rencontrer voilà. le problème qu'il a eu la dernière Et celui avec, euh, qui gagne... Enfin, de si, surchauffe. si devait y avoir un gagnant, ce serait euh, par exemple celui qui aurait un processeur ultra puissant mais mal optimisé. Mm -hmm. Avec une, une autonomie déplorable. Mais je pense que de ce côté-là, euh, les deux Coréens euh, ont fait ce qu'il faut. <laughs> Puis les dons, quelques petites nouveautés en photo. Chez LG, on a deux appareils photos, donc c'est quand même assez rare pour un smartphone euh, euh, parmi enfin, les derniers smartphones. Donc il y a deux appareils photo, un appareil euh, entre guillemets classique et un appareil grand angle avec un angle de euh, 135 degrés, il me semble. Donc on peut choisir en fonction de ce qu'on veut photographier. Et le S7, cette année, ils ont fait des pixels un peu plus gros. Il y a moins de pixels, mais ils sont plus gros, donc ils prennent plus de lumière. En basse luminosité, c'est voilà, censé être bien meilleur, enfin amélioré par rapport à l'année dernière. Et dans le salon, j'ai pris deux photos avec mon S6 et avec le S7 à côté dans des conditions de lumière qui n'étaient pas forcément optimales. Ouais. Honnêtement, j'ai vu une vraie différence. Voilà, donc peut-être. Bon, je défends euh, <laughs> le camp d'en face. Merci. Mais c'est vrai que, honnêtement, je pense qu'on peut avoir une très bonne surprise en basse lumière. J'ai vu vraiment. Euh... Cela dit, le LG G5 a l'air très bon aussi en photo. Et moi, oui. il y a une fonction que j'ai adorée, c'est le mode panoramique. Bah oui, justement. C'est vraiment. Ce, ce grand super. angle. Ah oui, oui c'est ouais, vraiment un grand angle. Ah, ouais, oui, ouais, incroyable. C'est une très bonne idée. Toute simple, enfin toute simple. En tout cas, bah vraiment il un capteur, va rendre service. Alors au alors voilà, alors par ouais. contre, si le, le capteur de base est de 16 mégapixels, le classique, avec l'angle classique, entre guillemets. Mm -hmm. Le grand angle, il est 8 mégapixels. Donc, c'est un petit peu. voilà. c'est moins, moins bon. Mais... C'est moins bon, mais par contre, ça permet vraiment de varier. Et de, on peut même fusionner les photos. C'est-à-dire faire la partie grand angle en espèce de cadre. Enfin, des petites fonctions assez sympas. Donc, euh, non, c'est une très bonne idée, d'LG. Et puis surtout, il prend un risque là-dessus quand même. Ouais. Voilà, il mise sur une fonctionnalité assez forte. Et puis esthétiquement, il y a quand même euh, deux appareils photo, donc c'est ça joue aussi. D'accord. Difficile de les partager, hein, tous non. les deux, quand Et même. Et en plus, on se demande vraiment ce que, va donner, euh, ce que vont donner les, les S7 en, en photo. C'est la grosse interrogation, mmh. parce que finalement, passer de 16 à 12 mégapixels, c'est un oui. peu le choc. Oui, c'est un peu se le choc. Oh, mais ouais, euh, ouais, que ouais. se passe-t-il Mais euh, avec euh, les technologies euh, que Raphaël a évoquées, puis ils ont aussi une technologie dual pixel euh, mmh. qui va euh, en fait, euh, euh, c est, c est, ça, ça rend l'autofocus beaucoup plus rapide. Mmh. Donc, euh, photo prise en 0,2 secondes. Et a priori, il semblerait qu'en basse lumière, ça permette d'obtenir des clichés voilà, ultra ouais, nets. Donc, euh, dire, voilà, verdict vraiment quand on aura testé euh, les deux appareils. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sortent de ce côté un peu marketing, à dire mmh. toujours plus de mégapixels. Voilà, ils voilà. maintenant, euh... Concernant les dates de sortie et les prix, on a des infos je la... crois que c'était ce qu'on imaginait pour euh, le S7. Voilà. Hein, c'était 700 et 800 euros. Il arrive, là, de, et il arrive voilà, le 11 mars. Hein, mars hein, le oui, S7 oui, euh, voilà. déboule, on l'aura peut-être avant, hein, si tout va bien ici, pour le tester. Le LG 5 Il faut être un peu plus patient, ce sera en avril et à 700 euros. Aussi. Même prix aussi. Même prix. Autant vous dire qu'en avril, quand on va faire le Fight... LG euh, G5 contre Samsung Galaxy S7, ça va être chaud bouillant Le les combat amis, des titans. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est oui. vraiment. Non, ça va être forcément, je pense, que ça va être vraiment deux super appareils. Il y a pas trop de suspens là-dessus. Oui, avec malgré Après, tout des, des petites différences. Avec des vu. petites différences, ils jouent pas dans ouais, la même philosophie. Euh, des philosophies différentes, c'est vraiment ça. Très, Très bien. bien. Dites-nous ce que vous en pensez de ces deux téléphones. Est-ce qu'il y a euh, un qui euh, vous fait plus craquer? Euh, Dites-le nous par Twitter hein, avec le hashtag 01Live, hashtag 01Live, en direct sur Twitter. On lit vos messages et on retrouve vos questions bien, bien évidemment. Alors il y avait un, un thème dont on a évidemment énormément parlé euh, au, à Barcelone, euh, c'est la réalité virtuelle et euh, la vidéo en, en, en 360. Et on a reçu un petit dessin par mmh. Twitter d'ailleurs, je ne sais pas si Florian on peut le montrer. Voilà. On est beau tous les trois, ah, c'est notre... notre ami Liv qui nous fait des dessins tous les... chaque semaine. Donc c'est vrai qu'on euh, est tous revenus avec euh, ces images dans la tête, puisqu'on a tous essayé ces, ces casques de réalité virtuelle. Et alors, euh, ils sont quand même bien liés aux smartphones ouais. qu'on vient d'évoquer. Et puis maintenant, chacun a le sien. Exactement. Puisque LG a, LG a lancé, 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 lancé le sien, un peu différent de, du Gear VR de voilà. Samsung, parce que là, y a pas de, on ne met pas l'appareil dans le casque, on le lit grâce à un câble, mm -hmm. donc il est plus léger. Ouais. Par contre, il est un peu plus fin, donc c'est à la fois une qualité et un défaut, c'est-à-dire que le côté ouais. immersion est quand même un peu moins fort, j'ai testé. Voilà. Ouais. Tu n'as pas aimé, toi non, c'est pas que j'ai pas aimé, non, non, mais c'est un bon casque, mais euh, c'est sûr que l'aspect immersif est moins important mmh. euh, que sur oui, le gear. Mais le gros avantage, et je trouve, c'est que du coup, on reste en contact avec la réalité. Oui. On aperçoit, je veux dire, si quelqu'un s'approche de nous, ben, on, on va le voir. C'est deux euh, usages différents. On pense. voit les lumières autour, Exactement. etc. Ouais, 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 ouais. Et c'est peut-être une autre philosophie. Exactement. Et ah ça ouais va ouais. aussi avec leur caméra 360 qui filme en 360. Oui, alors chacun maintenant a voilà. sa caméra. En 360. fait, ils créent un écosystème les ouais, deux, créent ouais. un écosystème de A à Z. J'ai envie de dire, on peut filmer, mettre sur son smartphone et regarder en, en 360. Donc c'est vrai qu'un casque comme le LG, voilà, si on a des amis à l'autre bout du monde qui filment leurs vacances et qu'on reçoit le, le film sur son casque, honnêtement, pour mmh. cette utilisation, ce sera très bien, je pense. Après, il ne faut peut-être pas espérer voir euh, voilà, faire du jeu vidéo, des heures de jeux vidéo ou ouais. des choses comme ça. Sur Twitter Chris qui nous dit euh, je prends le S7 Edge dès que possible, mais juste pour les photos principalement. Visiblement, c'est vrai que l'aspect ouais. photo du S7 euh, ouais. a l'air de, voilà, voilà, ouais. de vous Clairement. plaire. Mais c'est mmh. tant mieux. C'est vrai que ça a l'air assez intéressant. Alors après, on parlait des casques ouais. de réalité virtuelle, on parlait du smartphone mm -hmm. intégré au casque. Euh, mais il euh, y a aussi euh, un autre casque de réalité virtuelle, c'est le Vive. Ah, ah oui, oui. De, HTC. Voilà, de HTC. Et on a eu l'annonce. De la disponibilité commerciale qui sera en précommande dès le 29. Et donc accrochez-vous accrochez Attention, le prix. 800 dollars. Hein. 800 dollars. Oh 800 dollars, yeah, yeah. euh, mm. euh, on ne sera pas loin des 1000 euros en France. Donc ce sera le plus cher, plus cher que celui euh, de Enfin de, plus cher que Rift, oui. et probablement plus cher que le Sony. Mais alors cela dit, c'est euh, une expérience bah, voilà. incroyable incroyable ça. Ouais, ouais. <laughs> voilà mais en plus, ouais, ça se coup, mérite ouais, ouais. Oui, mais là on est sur autre chose on n'est pas dans la mobilité là, là on est plus dans la mobilité il y a, pas du tout, y a euh, les deux aspects de la réalité sûr. virtuelle mais, là, il faut mais les ils étaient chez ils soit, étaient quand même sur, les sur les le capteurs, euh, au plafond oui oui bien oui, sûr il bah, faut compter le l'ordinateur aussi derrière parce qu'il faut une petite bête de course pour le faire fonctionner le Vive Il faut bien dire que c'est pas du tout un concurrent des LG et non 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 vraiment c'est pas du tout ça joue pas du tout dans la même catégorie non non mais j'étais présent et voilà oui, c'est ah, l'IMAX. En fait, c'est l'IMAX du casque oui. VR. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment ouais. le très haut de gamme. Et mais on le trouvera sans doute dans, plutôt dans des lieux publics, des, 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 salles de, des salles de jeux, des trucs comme ça. Quoi. Ce sera euh, dans des entreprises, des commerces, mais sans doute pas à la maison. Mmh. Avec enfin, ouais. une caution. Euh... Après, il y, euh, très, très y a Lucien <laughs> qui ouais. réagit sur Twitter, qui nous dit :« La réalité virtuelle gadget, comme les lunettes 3D. Euh, » Très bonne question. Bah, ça, c'est la question qu'on se pose ouais. euh, ici, On peut là, se hein, poser la question. Moi, je personnellement. Alors, votons. Je, que je trouve que euh, les, les casques qui sont liés au smartphone euh, euh, peuvent encore euh, vraiment évoluer. Euh, ils ont une grosse marge de progression. Je trouve qu'ils sont assez inconfortables, qu'on n'est pas encore plongé euh, complètement euh, voilà, dans l'ambiance. Mmh. Mais ça peut arriver. Mmh, mmh. arriver. D'un autre côté, ce sont des casques qui sont beaucoup moins chers, beaucoup plus accessibles. Bon, moi je pense... Oui, mais que mais... Alors moi je joue gadget. Voilà. Je me dis ouais. que, allez, dans un ou... autre moment, on n'en parlera ouais. plus. Voilà. Pour l'instant, gadget. Après des, des appareils comme le Vive, etc. Peut-être, je sais pas, d'autres applications euh, médicales, militaires, etc. Mais c'est ah oui. pour le grand public, pour l'instant, c'est gadget sympa. Quoi. Gadget. Ouais, gadget, gadget sympa. Voilà, mais bon, gadget, voilà, euh, est-ce qu'on va dépenser euh, des sommes qui sont quand même assez impressionnantes Parce qu'en plus, enfin, certains concepts sont déstabilisants. Moi, je sais que typiquement, ça me donne la nausée, ouais. ce genre de choses. Pas le Vive. Pas le vailleur, le mais là je parle des... des mais euh, oui, d'une euh, manière des, des, générale, euh, c'est assez... Avec les euh... téléphones, bon, ça me donne à nauser. Euh, y a pas, bon, une, alors on est impressionné une fois parce qu'on on voit le Grand Canyon d'un hélicoptère, ouais. bon, c'est génial. Mais après, bon, finalement, on ne voit pas trop les usages qu'on qu peut avoir véritablement souvent. Mm -hmm. Donc, je, 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 moi j'ai je bon, peur J'ai peur que ça se termine un peu comme la TV 3D, tu vois. Euh, <laughs> et avec Samsung et Philips qui annoncent qu'ils arrêtent quoi, la commercialisation des télé-3D, des quoi. Écoute, euh, même si on n'a que quelques années de plaisir, ce sera toujours bon à prendre. Oui, c'est vrai. Part. C'est sûr moi, plaisir, je, moi je veux quoi. y croire en termes de, de prise de vue. Alors euh, on ne pourra pas passer n'importe quoi, c'est-à-dire que, je ne sais pas, même, imaginons que demain il y ait des fictions tournées en vidéo immersive. Oui. Mmh. Ça peut avoir un intérêt, ça peut aussi être totalement euh, absurde. Ouais. Euh, parce que l'intérêt de la vidéo 3D, et d'ailleurs la conférence de Samsung était assez intéressante parce que la toute petite vidéo qu'ils nous ont projetée, c'était une très bonne illustration de ce qu'on pouvait faire. En fait, on mmh. était au milieu de trois jeunes qui jouent au ballon. Mmh. Mmh. Et là, comme il joue au ballon et se passait la balle, bah, spontanément, on avait envie de tourner la tête pour ouais. voir où était le ballon. Soit on fixait le ballon, soit on regardait quel quelque chose ailleurs, etc. Donc là, ça avait un sens. Et on peut imaginer que, par exemple, pour les retransmissions sportives, uh -huh. ce soit Vous... vraiment, euh... vraiment pertinent. Se retrouver en plein milieu du terrain, eh oui. en Coupe du Monde. Bien sûr. Nous, et en... c'est nous qui choisirons exactement ce qu'on veut regarder. Ouais. Non, mais ça, ça viendra de toute façon des applications. Pour filmer ses vidéos euh, de vacances, voilà. peut-être si aussi. S'il y a quelque problème, chose d'important en termes d'application, ça se développera. Bah, le problème, c'était d'avoir des contenus et d'avoir plein de contenus sur YouTube. À mon avis, c'est vraiment fait pour regarder des vidéos de 3-4 minutes assez courtes parce qu'effectivement, ouais. ça donne un peu la nausée. Il manquait du contenu, donc le contenu, c'est leur vidéo, leur caméra 360. Donc mmh. ils vont demander à leurs clients de faire le contenu ouais. pour qu'ils aient envie d'acheter leur... Voilà. Oui, mais c'est ça. Donc YouTube, ça, voilà. donc YouTube euh... commence à être euh, Et... inondé de vidéos 360. Mark Zuckerberg, qui était là, a dit que Facebook allait euh, tout faire pour intégrer les vidéos 360. Donc euh, ce sera ce qu'on appelle de l'UGC, un hein, produit par les, par les utilisateurs. Ouais. Et c'est peut-être comme ça, effectivement, que ça, ça va peut, se démocratiser. Hein. Ouais. L'Instagram 360. Mais, mais après, euh, le, je trouve que techniquement, ce n'est pas encore au point. Il y a encore une marque mais de toi, progression. Es difficile. Non, non, non. Si tu n'as pas euh, 4K pense. sur chaque œil. Euh. Non, mais justement, il faut qu'on ait une meilleure résolution encore dans ces masques. Parce que parfois on voit les pixels, euh, l'image n'est pas hyper bien ouais, détaillée. Non. Donc là, on voit qu'on est peut-être au début d'un truc, mais... Si ça reste comme ça, à mon avis, ça décollera pas. Il faut vraiment encore qu'on ait des écrans. Alors peut-être, là aujourd'hui, on a du Quad HD, mais il faudrait qu'on ait des écrans peut-être 4K ou 8K ouais. sur les téléphones. Mm. Mais ça veut dire que, les, que ça dépenserait encore plus d'énergie. Il faudrait des processeurs encore plus puissants. Enfin, je ne sais pas. Moi, je trouve que bah, si c'est au, vous... ouais, bah au début de l'histoire. Et pour l'instant, bah voilà, a... ça ne me satisfait pas. Ouais, mais il y a une marge de progression. Ouais. Si, si on est au début de l'histoire... Ouais. On fait un point sur notre question 01net orange Exactement. Allez. Que retenez-vous de ce Mobile World Congress euh, Voici votre avis. En priorité, les smartphones à 56%. La 5G, oui, on va en parler. Il faut qu'on ouais. essaie d'en parler, qu'on prenne le temps. La réalité virtuelle, on vient d'en parler. Et puis les objets connectés. Effectivement, c'était également d'actualité. Oui, la réalité virtuelle, c'est fait. Ça, on peut checker, on en a parlé. Voilà. Les nouveaux smartphones, on, Les on a parlé smartphones... du G5 et du S7. Oui, mais, mais on a peut peut-être peut dire que ça. Ça. il n'y a, a, que que ça. Ça. Bah a pas eu que ça. Que ça. Alors, on a, allez, on a nos deux spécialistes. Qu'est-ce qu'il fallait retenir d'autre Il y a eu l'annonce des nouveaux smartphones de Sony, qui semble euh, indiquer la fin de ouais. la, la gamme Z. Ouais. Hein, ce seront les nouveaux flagships vraiment euh, qui sortiront a... au début de l'été. Il n'y a eu rien de, 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 de transcendant à se rouler par terre hein, en disant waouh. Non. Enfin, dire, moi, ça, ça a été mais moins voilà, t... oui, voilà euh, c'est moins fort, mais ces euh, smartphones Xperia, sont quand même assez jolis. Oui. Euh, notamment le plus, on va dire le, le moins haut de gamme des trois, oui. qui sera donc forcément le moins cher. Un écran euh, sans bord c'est quand même plutôt joli on ouais. le voit à l'écran mm -hmm. euh il a son bornes, mais il a, il, a le, même, le il a quand même beaucoup de beaucoup de on va dire de, de couleurs noires et en haut ah et en bas ah hein. mais toujours, les les iPhone, toujours le s6 oui. euh, edge et le s 7 Edge n'ont pas de bord ouais. non plus. Hein. C'est assez limité. Ouais. Donc euh, là, c'est sympa sur l'entrée de gamme. Dommage que, que finalement, sur le haut de gamme, ce ne soit pas aussi, euh, aussi ah oui, joli. Donc, Mais le, le, le haut de gamme, <laughs> c'est quand même un. Donc il s'appellera X Performance mmh. et euh, il fonctionnera avec un Snapdragon 820. Donc ça va quand même mmh. être un smartphone euh, plutôt puissant. Euh, pour ménager sans doute l'autonomie, puisque Sony continue de promettre deux jours d'autonomie, euh, on a des écrans qui sont Full HD. Au full HD et mmh. vraiment, Sony s'est focalisé sur un format 5 pouces. Les trois appareils sont en 5 pouces. Donc vraiment, ils jouent euh, vraiment la, la, la carte un petit peu consensuelle, euh, mmh. le format le plus, le plus apprécié, euh, ce qui est le moins gourmand. Bon, ça peut fonctionner. Bon, C'est bon, pour ouais. Sony, Raphaël Coenleur. Qu'est-ce qui t'a qu qu marqué J'ai eu un coup de cœur ouais. hier soir à la dernière minute. Ah, je c'est une fille, voilà. Il n'y en, ouais. en avait pas, en avait pas ouais. beaucoup. Alors, Mais franchement, la asiatique, on, on va pas au congrès pour draguer ouais. hein, les amis, parce que franchement, il ouais. n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais. Bon, Par là, contre, il like, hein. y, y en a des mecs. Il y en a une qui sera rassurée. Comment Il y en a une qui sera y rassurée. Non, non, moi c'est le Xiaomi MI5 qui a été présenté hier sur le stand de Qualcomm, parce qu'il a le nouveau Snapdragon Dragon 1120. Euh, il, est, euh, il est super joli, franchement, il ressemble justement un peu au Galaxy S7 Edge, donc il y a ce côté incurvé, mais ce n'est pas l'écran qui est incurvé, c'est le dos. Euh, il est, il pre... enfin, techniquement, il a l'air très puissant, après évidemment, on ne l'a pas encore testé. En photo, euh, il y a un stabilisateur 4 axes, donc euh, euh, on a des, un niveau de détail assez, euh, assez sympa. On a pris quelques photos, euh, malgré le faible éclairage, le rendu était vraiment bon. Euh, voilà. Le seul problème, bah, c'est qu'il ne sera peut-être pas vendu en Europe. Et qui restera a priori euh, pour le marché chinois. D'accord. On ça, pourra ça, sans doute non, se pour procurer, procurer, sur le web alors, donc, Comme, comme d'habitude, chez quelques importateurs. Il y a, y a hein, des importateurs. Mais, mais juste pour vous mais... donner une idée, il sera vendu l'équivalent de 280 euros pour une, je veux dire, une configuration qui est haut de gamme. Donc c'est vraiment pas cher. Ça va, faire envie. Le, ça va faire envie. Le seul bémol, effectivement, on peut passer par des importateurs, mais attention, euh, ils ne couvrent pas les fréquences 800 MHz en 4G. Ah ouais, donc il faut laisser tomber. Parce non, non mieux, si non, on si pas est pas chez Free ou chez Bouygues, ça va, parce qu'ils ne s'en ouais. servent pas trop. Si on est chez Orange, ouais. SFR. SFR Orange, c'est des fréquences 4G. Exactement, et ben... ouais, ouais. Orange, SFR, il vaut mieux s'abstenir. Ouais. Ouais. Moi, même... j'ai eu un petit coup de cœur pour un, un Wico qu'on a vu ensemble, hein, Jérôme, c'est mm -hmm. le YouFill. Mm -hmm. euh, alors bon, c'est un téléphone qui est tout à fait normal, mais. L'intérêt qu'il a, c'est son rapport qualité-prix. Mm. Pour moins de 200 euros, on, on, a, on a un écran HD, on a un design qui est plutôt réussi, on a un capteur d'empreinte. Oui, et c'est euh, ça, c'est important. Le, au Mobile World Congress cette année, c'est l'arrivée du capteur d'empreintes. Sur des téléphones, Partout Sur des téléphones. Oui. Les téléphones oui. à 200 euros. Ouais. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça c'est peut-être une tendance, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moins de 200 euros, on peut avoir un téléphone bien fini, plutôt joli, assez puissant pour qui tiennent la route. Alors évidemment, on n'aura pas la photo d'un Galaxy S7, etc. Mais franchement, on a un truc sympa pour des, un prix. En plus Wiko, ils ont fait hein. des efforts en matière de design. Exactement. J'ai adoré tout ce qu'ils présentaient en termes de, de, de dos, oui. en fait, de face dos, dos, arrière. Des oui. revêtements. Euh, voilà. Dos, franchement, la bicoleur, made in Marseille en ouais. plus. Attendez, made ouais. in Marseille. Oui, oui parce tout. que c'est vrai que ce, l'aspect design est vraiment ouais. conçu à Marseille. Ouais. Ça c'est cool. Voilà. Et on a un équivalent qui est le Pop 4. D'Alcatel, dalcatel, oui. bien sûr, euh, oui. qui euh, pour 199 euros a aussi euh, un joli design et un lecteur d'emprunt. Ouais, C'est oui. l'Idol 4, je crois. Non, le Pop 4. C'est le Pop 4 oui, oui, aussi. Tout à fait. Mais il y a la, la Les Idol 4 sont plus chers. Voilà, sont ah, haut de oui. gamme. Ils dépassent les 250 oui. euros en effet. Oui, pour rester un peu chauvin, il y a Arcos, ouais. aussi, Arcos aussi qui aussi, a proposé ouais. des téléphone Qui s'annonce assez euh, très performant avec un gros processeur avec 4 gigas de RAM, etc., pour euh, environ 250 ou 300 euros. Il y a deux modèles euh, en plus de ça, ils sont assez jolis. Donc, c'est les euh, Diamond avec capteur d'empreinte, avec capteur d'empreinte. Il me Digital. semble, ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a capteur d'empreinte, effectivement. Mmh. Donc, c'est voilà. En fait, ils veulent vraiment attaquer euh, les chinois là-dessus, attaquer les smartphones chinois euh, de très bon rapport qualité-prix. Donc, les français s'y mettent aussi. C'est de l'USB-C, ouais, ouais. oui, oui, oui. Donc, euh, Arcos, on pourrait avoir une très bonne surprise, ils vont arriver d'ici quelques semaines. Ouais. Et à l'issue de ce salon, finalement, on se rend compte que euh, pour euh, un budget assez rikiki, on va avoir une débauche de caractéristiques haut de gamme, on va avoir des 4Go de mémoire, on va avoir des lecteurs d'empreintes. Donc, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle oui. pour le consommateur, euh, ouais. sachant que les grands constructeurs, eux, bon, ont bien sûr un équipement de rêve, mais à côté de ça, ils ont aussi misé sur des euh, fonctions un petit peu... Euh, qui sortent un peu de l'ordinaire et qui euh, oui, viennent la... vraiment, euh, par exemple, je pense au, au S7 Edge, mm -hmm. qui a une fonction jeu, euh, qui est oui. vraiment euh, hyper oui, développée. Oui. Où on peut il y aura un ce... processeur ouais. graphique qui serait équivalent à des consoles de, de salon. Voilà, quoi. Alors, exactement. Et, euh, alors là, il faut, il faut vérifier. Parce que, oui. et via mmh. fonction, il y a cette fonction pour vraiment régler finement son téléphone, de façon euh, à jouer le plus longtemps possible euh, et vraiment mmh. en tout confort. Très merci bien. Stéphanie Molinier, merci Raphaël. Voilà, un petit euh, focus en allez, un petit peu plus de 20 minutes euh, sur les, on va dire les, les grosses tendances hein, de ce Mobile World Congress. Il y avait beaucoup d'autres choses, bien sûr. On, on en parle hein, dans toutes les vidéos qu'on vous poste depuis plusieurs jours. Euh, notez qu'il y a deux lives qui sont en replay euh, sur 01 tvcom euh, où voilà, on reçoit les représentants de Samsung, euh, de LG, etc. qui nous détaillent véritablement toutes ces nouveautés à retrouver sur 01 tvcom et on va parler maintenant un petit peu de voiture, parce que oui, eh c'était aussi d'une certaine manière un peu le salon de la voiture, Barcelone, puisque la voiture et le smartphone, c'est une affaire qui marche, c'est une histoire d'amour, on le sait maintenant. Oui, N'est-ce pas David Noguera Bonsoir. Bonsoir David. Et effectivement, ouais, des voitures aussi euh, au Mobile World Congress et euh, notamment du côté de... l'annonce la plus terre à terre, c'est euh, sans doute SYNC 3 chez Ford, cette plateforme multimédia Android Auto, CarPlay, qui, qui va enfin débarquer euh, en Europe pour le constructeur. Alors euh, c'est ce euh, la nouvelle plateforme écran 8 pouces, tactile, Android Auto et CarPlay, les systèmes multimédia, on l'a un petit peu manipulé sur le stand. Et euh, c'était plutôt la bonne surprise, parce que cet écran capacitif, il, ré, il réagit Très, très bien euh, là où la reconnaissance pour un écran euh, c'est <laughs> la reconnaissance vocale euh, fonctionne bien et ça va vite devenir euh, assez indispensable parce que l'écran est quand même assez loin sur le tableau de bord donc à manipuler ça sera pas toujours très très simple l'autre avantage de cette plateforme 53 3 c'est qu'elle utilise un système euh, que ford appelle AppLink où euh, chaque développeur finalement peut créer son application Glimpse par exemple, mais aussi, on a pu rencontrer sur, sur, le, sur le Mobile World Congress, donc là en l'occurrence on voit du Spotify et Google Play Music, c'est les parties un peu, plus, un peu plus classiques, mais on a rencontré donc un transporteur, Fred Bay, qui a créé une application grand public qui s'appelle My Boxman, et grosso modo c'est le Uber de La Poste, DHL. C'est je peux, lorsque je conduis, recevoir une notification me disant il y a un particulier qui te propose une course, est-ce que tu acceptes d'aller récupérer le colis pour l'emmener à telle adresse parce que c'est sur ton chemin et, et et du coup, arrondir en quelque sorte les fins de mois. Là, on ah, voit là, par exemple quoi. pour une distance de 3 km, 9 euros. Et ça c'est intégré ça le coup. Et ça, c'est un écran qui, du qui est intégré de bord. intégralement dans, dans, mmh. dans Sync3 et qui est complètement pilotable à la voix. Là, on est sur un démonstrateur, donc on clique sur l'écran, mmh. mais on peut très bien dire au véhicule, accepter ah, la mal. course, et c'est parti. Donc ça, c'est l'annonce la plus terre à terre, l'annonce la plus waouh. Alors euh, moi j'avais juste ah, parce que bon, oui. tu, vas, tu vas nous parler de l'annonce waouh. Oui. On ouais. connaît qui est vraiment waouh. Mais, je, mais je, quand je vois de ces images, je me dis, mais euh, alors ça ne va pas être, aller dans ton sens, hein, David, mais à quoi ça sert d'avoir des écrans comme ça euh, dans la voiture alors qu'aujourd'hui, la plupart du temps, on fait tout depuis son smartphone Mais bah oui, mais est-ce est que c'est pas c'est un problème qu'on fasse tout depuis le smartphone Du coup, il est inutilisable pour faire autre chose le smartphone. C'est-à-dire, tu, tu à la fois, tu, déjà, en, tu suis ton chemin, tu réponds à MrBox, oui, tu envoies les SMS. Pas, on n'arrive pas à voir l'ergonomie aujourd'hui qu'on a Et sur un smartphone. Vrai, ça, c'est vrai. Là, alors, c'est n'est pas pour... Euh, euh, voilà, mais, mais c'était pas, pas après, aussi -ce fluide qu'avec qu un smartphone. Est-ce est qu'on qu est a tous des smartphones qui coûtent 400, 500 euros Est-ce qu'on est tous disposés effectivement ouais, à systématiquement l'installer Le prix de ces options, on, je me dis parfois que vaut mieux s'acheter un smartphone et installer ouais, Waze que de payer... d'avoir une c'est dans la qualité de, de, de l'accessibilité des commandes vocales, ouais, la taille ouais. de l'écran. C'est effectivement, euh, ça, de toute façon, on peut effectivement euh, s'en oui. reparler. Euh, régulièrement dès qu'on a vrai, des pour systèmes ça, ça intégrés fight, comme ça <laughs> mais évidemment rencontre... les écrans dans la, dans la voiture. Ah ouais, évidemment que le smartphone aujourd'hui, euh, moi-même, je, je l'utilise et euh, sur un support, ça va très très bien. On, on peut aussi facilement activer des, mm. des, des fonctions de reconnaissance vocale avec le smartphone. Donc effectivement, il est, il est sûr que c'est un non, un, il y a un, que... Y a un match euh, un peu. c'est c'est plus grand, donc après priori plus confortable et puis tu, tu, tu peux le laisser là. Euh, ouais. On va pas te le voler. Si tu mets un smartphone ouais. que tu veux le laisser dans ta voiture, il y a la praticité. Aujourd'hui, on en est à se poser sur smartphone au centre il se recharge par induction ouais, ouais. et le flux euh, transmet euh, et voilà. est transmis automatiquement. Ton truc où Mon truc waouh chez Harman. Euh, alors c'était un peu l'annonce, euh, voilà c'est un peu le truc qu'on avait vu euh, lors du de, du CES, un concept rin speed avec cette plateforme de drone, la BMW exclure, Et là c'est une i3 complètement bon, déjà modifié. Un peu la voiture Academy, hein, Là, il y, ça... y a k voilà. elle vous dit bonjour, ça... voilà. Oh, um, et à l'intérieur, surtout, on a discrète, effectivement hein. un, un volant, en fait, un bras robotisé, parce que ce véhicule, alors là, juste sur ce passage bien précis, en fait, la montre qui est à l'intérieur, elle doit se recharger. Vous savez, c'est les montres à mouvement mécanique, là, il faut la recharger. Donc le volant, grosso modo, il opère un mouvement. Et là, l'idée, eh c'est que ce montre, bras. le volant, j'ai rien compris. David. Le, en fait, la montre <laughs> doit se recharger. On voit au-dessus du volant, il y a une montre. Oui, oui, donc autre. il faut la recharger par euh, par le mouvement. Ah ouais, c'est vachement donc le volant opère ça, c'est juste, bon, c'est une petite démo. Le, le plus impressionnant c'est cette partie-là, c'est celle où le volant passe de gauche à droite. Ah ouais. À de Chérie, la voiture. Ouais, tu veux prends volant, volant, Je suis ouais. fatigué, prends bah, le volant. C'est tu sais voilà. quoi On n'a pas besoin de s'arrêter, mon gars. C'est ça, exactement. Ah bah ouais. Et les pédales. Euh, alors les pédales, il faudrait qu'il y ait deux Faut jeux de pédales. <laughs> donc voilà, donc il y a beaucoup de partenaires de Harman et de Rinspeed, là en l'occurrence c'est KUKA Il y, y a IBO qui s'occupe de, de la partie euh, lidar puisque bien évidemment l'idée c'est que c'est une voiture qui sera, enfin ce concept car c'est la voiture autonome. Donc autonome. Elle, elle a un lidar sur le sur sur le toit, notamment. Le lidar c'est le c'est le radar. C'est le permet radar de, balayage laser. Et, et voiture de rouler et, toute seule. Exactement. Et donc euh, à l'intérieur forcément des grands écrans euh, Full HD. Euh, sur le sur modèle Leto, c'était un, un écran 4K. Donc voilà. c'est Donc, vraiment un, un, un concept car. Euh, ouais. Après, ouais. Si, pour, parmi les autres annonces qu'on a pu voir, et cette fois-ci on va peut-être basculer du, du côté de chez Seat, on a vu euh, on des, deux annonces qui sont assez proches, notamment Seat et Volvo qui est l'usage du smartphone François puisque tu veux absolument utiliser ton smartphone <laughs> pour déverrouiller sa voiture. Donc là, SEAT s'est associé avec Samsung et SAP pour créer, pour utiliser le smartphone en tant que euh, clé de déverrouillage de sa voiture. Donc je m'approche de mon enfin. véhicule. J'ai une clé numérique, le véhicule communique avec mon smartphone en Bluetooth. Alors visiblement, il y a quand même un, un processus d'identification. Aussi bien chez Seat que chez Volvo, on est un peu mal à l'aise là-dessus, parce qu'on n'a pas réellement d'explication sur les cryptages. On sait qu'il y a des cryptages qui sont appliqués, notamment sur les serrures connectées, en Bluetooth. Il y a de l'AES 256 bits. On peut supposer que c'est sérieux, mais quand même, quand on leur pose les questions, peut-être qu'on n'avait pas les bons interlocuteurs à Barcelone sur le Mobile World Congress, mais ce n'était pas encore très clair. La question est touchy. La question est un peu touchy. Ça marchait là Et ça fonctionnait tout à fait. Effectivement, La personne s'approchait du véhicule déverrouiller la pratique, voiture, ça ouvrait les... bah ça peut être pratique. Alors c'est vrai que c'est surtout un usage professionnel. si j'ai une bon, flotte. Vous, mais moi j'ai avec la télécommande des fois. Bah, c'est même je du sans contact télé, maintenant. Voilà. Euh, mais mais ça t'évite d'avoir une clé. Sortir ça t'évite d'avoir une clé. clé puis ouais, tu... Mais là c'est on est. Ah oui, là c'est pas pratique. dans les deux cas les applications elles tournent en tâche de fond. Et ouais. Vraiment. elles tournent en tâche de fond. Ça détecte quand on s'approche, le véhicule. Et elle apparaît Et le véhicule s'ouvre. ensuite il y a alors là en plus on a une autre le bâton sur lequel je vais revenir mais si on n'a plus de batterie on peut avoir ah, plus de batterie oui, voilà moment. donc euh, après évidemment il reste dans ouais, la clé mécanique cours, mais, mmh. mais euh, l'idée c'est aussi plus d'adresser peut-être les flottes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux partir d'Orly, euh, arriver à, pourquoi pas, euh, Berlin ou à Barcelone, réserver mon, mon, mon véhicule en étant euh, à, mon, à Orly, à mon point de départ, arriver sur place, et finalement voir mon véhicule, le localiser, et le prendre la location sans jamais passer par un bureau. Donc c'est vraiment ouais. un usage professionnel. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est Samsung Pay, c'est toujours sur Seat. Euh, donc Seat a intégré un lecteur d'empreintes digitales. Cette fois-ci, c'est le fait de pouvoir faire du micro, enfin du paiement depuis son véhicule. Je réserve ma place de parking. Euh, le véhicule est connecté à mon smartphone. Mon smartphone fait euh, transiter la, le, 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 le paiement du, du stationnement euh, via le cloud et je peux ressortir. Mmh. Voilà. c'est cette technologie Samsung Pay. Donc on n'a pas encore en France, mais euh, voilà. Donc il y, y a effectivement l'usage du smartphone euh, dans, dans l'automobile. Merci David. Très bien, merci beaucoup. David Noguera, donc, qui revient du Mobile World Congress, et on le voit, hein, les, on voit que les constructeurs automobiles se mettent à fond euh, aussi. Bah, C'est-à-dire oui. que l'enfant de mobile est l'une des et meilleures et interfaces aujourd'hui. Ça hein. va arriver vite parce qu'on a la 5G dans le sondage et ce n'est pas pour rien parce que mmh. ben cette justement. 5G va démocratiser beaucoup de choses. Et bien justement, voilà, ça sera pour conclure Bravo un mot sur, sa, sur cette 5G qu'on a... Euh, Qu'on a vu de ci de là sur certains stands hein, au Mobile World Congress, hein, bah, Les opérateurs quand même en parlent beaucoup. Hein. Il y avait quelques expérimentations qui étaient montrées avec des, des débits parce que c'est ça qui nous fait rêver. La 5G sera beaucoup de débits euh, avec des démos qui montaient jusqu'à plusieurs gigabits. Ouais, 20 gigabits hein. je crois. Pour euh, certains voilà, euh, chez Orange, chez d'autres opérateurs aussi. Euh. Et puis la 5G c'est plein de. On en parle beaucoup mais en même temps on en est encore loin parce que finalement euh, c'est pas encore vraiment défini. Et si on croit les autres si on en croit les opérateurs bah, ça devrait arriver alors ça pourrait arriver selon certains à, dès l'année prochaine ouais. et selon d'autres comme par exemple orange qui est un peu plus prudent sur la question euh, plutôt vers 2020 hein. mais en fait le, le problème est avant tout je pense euh, une normalisation parce que, oui. est -ce que tout est normalisé non, je ça n'est pas, pas normalisé donc ça peut pas non, non, prochaine déjà le, le temps que ça enfin... mais ça peut arriver mais de manière non normalisée si un si un opérateur ouais, euh... c'est pas c'est pas possible si c'est pas normalisé ça veut dire que le constructeur de téléphone portable va sortir un téléphone qui va pas avoir des chipsets non normalisé. Ben on ça sera avec de la 4,5G, 4, des choses intermédiaires. Et puis en plus, il y a aussi un autre problème, c'est un problème économique. C'est qu'aujourd'hui, les opérateurs investissent des milliards dans la 4G, ce n'est mmh. pas pour tout de suite investir dans la 5G. Donc ça sera... Je pense oui 2020 mais ce qui sera fait pour la 4g avant. sera toujours bon à prendre pour la 5g hein. ouais, mais c'est pas les mêmes fréquences c'est pas forcément les mêmes antennes c'est des nouveaux investissements qui vont coûter beaucoup alors apparemment pas tant que ça pas François. tant que ça non apparemment ça, le passage pourrait se faire de manière assez simple d'après ce que je sais quoi il est Allez, on est en 2016 il faudrait qu'on parie d'accord moi je dis 2016. moi je me retiens <laughs> moi, je pense on, en, on, en, on en parlera beaucoup plus euh, au ouais, congrès de euh, 2017 facebook et google qui arrivent aussi donc euh, ils veulent lancer aussi euh, leur équivalent 5G. Ouais. Bon, ça va se faire au niveau de, des fréquences effectivement et de savoir quelles fréquences on choisit. Oui, parce qu'on ne sait pas encore ce que c'est exactement. On ne sait pas, c'est pas encore défini. C'est pas, fréquences fréquences ouais, pas défini. c'est pour ça l'année prochaine, ça me paraît. Il y euh... aura les meilleures fréquences parce qu'évidemment plus c'est ouais. puissant moins on a de portée. Donc c'est assez compliqué. Ouais. Et puis, évidemment, ça va être alloué. Euh, Et puis, il faut savoir que euh... certaines fréquences sont sont, sont, sont voilà, sont réservées, euh, etc. Enfin, ah c'est ouais. Et super, il va falloir encore changer de téléphone. Ah hein, oui, bien entendu. ça, il va falloir changer de téléphone, <laughs> c'est clair. Euh, mais ça permettra aussi, parce que c'est vrai que à part des débits euh, plus élevés, ça permettra du machine to machine, ça permettra ouais. à des objets connectés de discuter entre eux, euh, de ça, manière. Euh, ce sera l'internet euh, dans les trains, dans la voiture, euh, dans, le, dans, dans la salle de bain. Ça enfin, permet ça aussi formidable. un internet avec un temps de latence qui est très 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 faible, beaucoup plus faible qu'avec la, la 4G, c'est ce qu'on appelle le ping. Et là avec la 5G, on aura des pings qui sont très très faibles, qui vont permettre même de télécommander par exemple des, des camions, des objets en, à distance. Admettons que demain il y a une catastrophe nucléaire, on ne le souhaite pas, mais qu'on ne puisse pas rentrer dans, dans une usine, etc. Eh bien, on pourra télécommander des robots. Ou des choses avec une, un temps de latence vraiment très avec, très faible. Avec du retour image, même en à très des, haute, et haute et définition, voilà, et même euh, à des milliers de kilomètres. Ouais. C'est ça qui est, qui est fou. C'était ouais, enfin, la euh, démo de Nokia euh, sur son, sur en son stand euh, en utilisant. Euh, C'était une petite maquette de voiture, mais oui, oui, euh, oui. ils utilisaient la, 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 ce lien 5G pour euh, montrer la, la capacité à faire transiter très très vite des informations. Mm -hmm. Voilà, tout ça est très excitant. La voiture les autonome. Ouh là là, ça va Thomas qui nous dit, on pourra générer des hologrammes. Bah, pourquoi pas. Hein. <laughs> en tout cas, de la vidéo en très haute définition sur les mobiles. Thomas, il a fond. Hein. L'hologramme, ouais. il est déjà bien barré là. Thomas, il est au bout. L'hologramme n'existe pas en réalité, <laughs> Thomas. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui, qui ressemblent. Allez, on termine par la question zéro net orange du jour. C'était le sondage, vous avez voté. et eh bien, qu'est-ce qui vous intéresse le plus Qu'avez-vous retenu de ce Mobile World Congress en un, les nouveaux smartphones, bien entendu. En deux, la 5G, on vient d'en parler. Et puis la réalité virtuelle et les objets connectés, qui étaient quand même un peu absents, hein, les objets connectés, ouais. cette ouais. année par rapport aux années précédentes. Hein, ouais. les, les montres, montres connectées, y en par plus exemple, il n'y avait grand-chose. Il n'y avait, avait, avait vraiment plus euh... grand-chose. Non, non, c'est... Hein, comme les tendances d'une année ouais. à l'autre euh, disparaissent. C'est fou. Hein. Il n'y avait rien de très neuf dans bon, ça, ce cela même. dit, il n'y a pas les passés entre temps. Il hein, a raflé tout le marché de la montre connectée. <laughs> et les autres, ouais. ramassent les miettes. C'est un peu ça. Merci à Raphaël. De rien, et et à David Aguera. Merci ouais. à Florian Beaufreton, Jean David Duarte, Pierre Thiolin et Jérôme Giliberto qui se sont cités. Oui, as vu, d'une seule traite. Voilà, c'est eux qui faisaient tourner le live cette semaine encore. Merci de nous avoir suivis. Euh, plein d'autres vidéos, tu l'as dit, à voir sur 01net TV. Puis on se retrouve jeudi prochain. Très bonne soirée à vous toutes et à vous tous sur zéro net TV. À bientôt.